jërëngeen jëf ci seen kóolute mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal bu baax ci seen émission Tam Tam. Tous les mercredis nak dañuy am mbecté lool and ak yeen ci décoration kiñ ci andal moy Aïcha Touré. Aïcha nuyu nala di am mbecté nak fego wat ak yow ci plateau bi mercredi. Fénala Rogi, je suis toujours contente xam nga lutax parce que un professeur aujourd'hui les gens sont venus en coulisses mais des gens sont normaux quoi. Légui mang lay remercier ci lolu parce que c'est grâce à toi. Di nuyu ñi ma bokal plateau, di nuyu sama tourando bu ciékété bi comme on a l'habitude de dire. Di nuyu téléspectateurs RTS2, di nuyu suñu invité. Di nuyu sa invité tay décoration fu ñi duggal. Alors décoration de femme ñaari patch. Parce que tay dama dem ti ben boutique mais xam nga chaque jour ma lancer ben SOS. Nit ñi dañu xawa ragal caméra bi. Waaw, mais dé len bab rek té wolu na la ci. Wa bab na ko mom mais de fa lak français dañu man dem kay motali en wolof sans en comptant sur vous pour m'aider quoi. Man lima ci jaxal moy tu vas traduire en wolof sa wolof bi setna non il y a des mots là Rougi. Non je me perds dedans moi seul donc pour éviter les catastrophes et les reprises de maquillage je compte sur toi pour m'aider donc ya ñi ki nonu pour ñu gungé walé la voilà d'accord on met problème alors buñu joggé ci décoration dinañ dem ci univers des jeunes qui ci andal cette fois-ci Aïcha Sarr. Aïcha Nuyna la di am bitté nak ak sa couleur yu magnifique. Merci beaucoup Rougi final ñu ñuma bokal plateau Abdourahmane Aïcha sama tourando di nuyu suñu invité di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñi sétan ci biir émission Tam Tam. Alors tay univers des jeunes on va parler de quoi? Alors Rougi tay ñu fassiyene waxtane li nga xamne ne mom moy l'implication des jeunes de façon générale dans les activités de leur quartier. Plus précisément ay cleaning day ay séance de 7-7 ans donc prétexte bi lenn la moy dañu amalon li nga xamné mom moy cleaning day donc mu amone depuis daw ñu arrêté ko ndax corona bi ñu reprendre ko samedi dernier donc mu nek ay activités yo xamné dañu ci bolé souvent ay associations de quartier et des associations de jeunes ñu wara and désencombrer nettoyer yu démé non donc loolu lañu fassiyene waxtani ak suñu invité nga xamné ni itam dafa mettre en place ben organisation bo xamné ci loolu lay yëngu. Donc da fay rassembler ay jeunes ñu nek ci walu manam embellir environnement ak cadre de vie bu ñuy dundé ci kadam ma dinañ ci dugg waye tamit littérature avec Abdourahmane avec ses livres une table bien fournie aujourd'hui tay da ñett nga xana ma mom ben Aïcha mom ben Aïcha mom ben mais est-ce que di ngeen lire bañ lire je ne gisuma len salon du livre de je vous ai pas croisé là-bas mais tu nous as pas invité merci ah, je vous ai pas invité ah ouais bon may leni nuyu ah lay fay di am mbecté tous les mercredis ñoo fi waxtaan ak yeen littérature ak livre lecture alors comme nous mel ko waxé né dañu gi suma len salon du livre mais bari wu ngeen ci ay morom ha voilà salon du livre amon na du 2 au 5 décembre alors din ci ñëwaat et puis parce que communication bi nak peut-être non ça a manqué voilà et puis xol aussi ci parce que salon du livre pour promouvoir livre ak lecture tout à fait. Est-ce que amul yenen aujourd'hui yenen djumtukay wala yenen moyen wala yenen xarala yo xamantene meun nañ ko utiliser pour promouvoir lecture comme par exemple pour jot jaru Aïcha yi wala Aïcha yi nga xamantene ñom snap mais tout à fait une question s'il te plaît pourquoi en fait Abdourahmane il a le chic de dire genre Aïcha yi nous usant c'est quel genre il pense tout le temps à toi c'est juste ça possible Abdourahmane donc lolay waxtane ak lan yone la décembre bu jexé ci fête festival après je sors du plateau après janvier 2022 mala ko ñaan pour changer toga ay donc on parle de quoi là on va parler de ça du coup quel monde que alors on va parler de faire du livre on va parler de et puis voilà notre invité c'est Marcel Mendy. Tout à fait. Comment tu as mobile de livre B, Dilemme Fatal. Voilà. Mais c'est un auteur. Mm-hmm. Alors maintenant, moi, je fais représenter un mouvement ou une association pour promouvoir la littérature. Tout à fait. En Afrique, et discerner un prix. Mm-hmm. Et moi, je suis un livre. Marcel, moi, je suis un livre. Michel, moi, je suis un livre. Donc, voilà, ces deux livres-là. Très jolis. Voilà. On va en parler tout ça. Voilà. D'accord.
dans la littérature. Dans la littérature. Alors, lolu motax nak ñu dalal fi ki nga xamantene rek moy Mohamadou Sumbounou, nek directeur urgence écologique ci univers des jeunes. Ci deuxième plateau bi nak dinañu waxtaan ak ki nga xamantene rek moy Michel Mendy, nek écrivain, nek représentant aussi scène littéraire au Sénégal. Alors, Mohamadou, ma ngi lay nuyu bu baax di am bekté nak partager ak yow plateau bi. Mang lay fay jeureujeuf man itam ma ngi content ci partager plateau bi ak yeen ñep vraiment très gor yalla yi ay jantal lañu fami machallah jaayef machallah yañu taggé nonu content nañ ci bu baaxa baax té dañu koy nangu duñu def luddul dem jëli bak bi dugg ci décoration légui légui. Alors, Aïcha Touré, on va suivre les teintes et les matières réconfortantes en cette période de fraîcheur. Tu parles français, des? Nous voulons les plots ramener avec décoration là, les plots ramener matière là, les plots ramener espace là. Nous devons comment ramener cette bille de venir réchauffer parce que même les matières réchauffent. Amorougui, moi j'ai parlé de froid ici. Tu as parlé de réchauffer. Les gens vont se poser des questions. Rougui, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, à défaut d'avoir... Tu seras réchauffé, Inch'Allah, Rabbi. D'avoir le réchauffeur... On est sur le dernier virage. Voilà. Descends bien, Ragoul. Promo, bimini, continue, bataille. Regarde comme tu es. Mashallah. C'est pas toi. Moi, je vais démissionner. Dès toi? Non, je me dis... Après avoir fini de parler de ma décoration, là, on se réalise à toi. Mm. Que moi, je vais quitter un tam-tam du mercredi. D'où là-bas, Ingadem? Parce que mon réchauffement est là, devant 14 millions de Sénégalais. Mais ta décoration nous réchauffe déjà. C'est ça. Voilà. Alors, je demande de rendre tout dit. Uh-huh. D'un petit genre boutique-là. Mm-hmm. Et j'ai vu que c'était assez original comme décoration. Mm-hmm. Mais avec Madame Diop Anna, avec André, nous dorons tout d'un côté Almadi. Mm-hmm. Et puis quand il est rentré, on a vu que c'était assez original, mm-hmm, parce que la décoration était déjà très belle. D'accord. Mais la dame a dit que comme Denis n'est que période de fête, mm-hmm, on avait déjà parlé des coussins ici, mm-hmm, avec la signa, mais cette fois-ci, c'est des coussins à l'effigie de Noël. Très bien. Voilà. C'est pas toi. On n'a pas parlé de juju. Hein. Il attend toujours ses... Il n'y a pas de juju là-bas. 2022. Voilà. Cache le juju. Non, c'est ouais, ça. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a des inspirations de décoration. Donc, on a mis tout à fait. Comme des grands cintres, comme des paniers accrochés au mur. D'accord. Comme des ampoules. Mm-hmm. De toute façon, je vous laisse aller découvrir l'élément. Alors, on va découvrir ensemble l'élément, voilà, et on revient pour en discuter. C'est ça. Bon, merci déjà Aïcha pour tes questions. Alors, les coussins, nous savons que nous sommes à la période des fêtes, là. On a Noël qui arrive dans quelques jours. Et puis, je me suis dit qu'il serait important que dans les maisons de chacun ici, qu'on puisse avoir un petit détail de Noël. C'est pourquoi j'ai pensé à ces coussins qui ont l'effigie du sapin de Noël, Papa Noël, un peu de neige et tout, comme vous voyez là. C'est fait avec du coton, donc c'est facile à laver. Hein. Vraiment, c'est assez lisse et tout. Donc, dès que ça se salit, on ne fait que laver tout simplement. Ça ne se déteint pas. Donc là, au moins, je peux vous garantir là-dessus. Pareil avec ceux-là, parce que c'est deux matières différentes. Là, nous avons du coton et puis là, c'est comme une matière tissée, du coton tissé en fait. Donc, il n'y a pas de problème avec le lavage. Maintenant, c'est à la convenance de tout un chacun. Ça peut se mettre dans son salon, comme dans sa chambre, sur son lit aussi, quand on veut décorer le lit. Donc, soit au salon, soit dans la chambre. Pour terminer, je voudrais mettre un accent sur l'aspect entrepreneuriat, parce que vous savez qu'il est très important que les femmes puissent entreprendre afin d'être...
être indépendantes et autonomes financièrement. Parce que nous savons qu'actuellement, nous sommes dans la quinzaine des violences contre les femmes. Donc, il serait important que les femmes soient autonomes pour ne plus pouvoir dépendre forcément d'un homme qui pourra exercer toute pression, que ce soit physique, morale ou psychologique ou verbale. Donc, mes chères femmes, mes chères sœurs. Mes chères femmes, mes chères sœurs, il est important qu'on puisse se démarquer, qu'on puisse faire quelque chose qui nous valorise soi-même, nous-mêmes. Donc, voilà, que ce soit dans du stylisme, dans du petit commerce, il serait toujours bien de faire quelque chose pour soi. Ça nous donne de la valeur ajoutée et ça... Alors, les couleurs sont vives. Et rappelez que le violet magenta est la couleur star en ce moment. C'est pourquoi je suis en violet, tu me demandais tout à l'heure. Alors, gamme décoration pour la fête, Aïcha. Parce que nak coussin, ça va dans le sens de Noël. C'est ça. Tu es Noël Jodde. Tu es petit papa Noël, Bob Mugis, Dina Bachihale. Ouais, et puis c'est vraiment très, très abordable déjà. Ah, d'accord. Et comme elle a dit, comme la décoration, c'est pas quelque chose de figé. Surtout. Manga Kadef sous le sapin de Noël. Surtout. Manga Kadef Tisalbi, Manga Kadef dans la chambre à coucher des enfants. Exact. Voilà ce bossard. Mm-hmm. Pour faire un rappel, puis quand Noël se termine, tout à fait. On plie les housses et puis on les garde. Tout à fait, tout à fait. C'est magnifique en tout cas, Abdourahmane. Couleur vive, mon machallah. Avec le temps qu'il fait, il va nous réchauffer. Les aïcha de Bagnadé. Mais on lui reconnaît qu'elle elle manque pas. Elle a du goût, hein. Ouais, elle a du goût, elle a... Tu vois, donc... c'est très joli, hein, la femme, là, ce qu'elle fait. T'as dit qu'elle est de l'eau. Oh, ouais, mais j'ai dit qu'elle... Non, parce que j'ai dit qu'elle parce que décembre, tu sais... Là, tu sais, là. Ouais, voilà, quoi. Décembre, voilà. Donc, c'est très joli, hein, ce qu'elle fait. Mais tu sais, tu sais, c'est un challenge aussi. Vous voyez, mais genre, boutique humaine, il ne suffit pas seulement de savoir vendre ou bien d'être entrepreneur, tout comme on dit, fait. Mais également le design intérieur. Surtout. On est frappé par la beauté. Exactement. Parce que les couleurs, les boutiques, voilà, on a agencé, etc. D'accord. Voilà, c'est pourquoi j'allais demander, est-ce que même aussi elle fait du design ou de la décoration intérieure? En fait, ouais. Voilà, parce qu'elle a été challengée par quelqu'un d'autre, qui est spécialiste, en fait. Parce que, comme tu as dit, chacun a son métier. Boutique, bien, en fait, d'accord, mais des femmes, c'est son travail. Agencer les grands cintres, très bien. Agencer le meuble où il y a les vêtements en bois, vous paraît def bena étagère bo xamné dañ ci qui def ay article. Absolument. Voilà. Mais lumière ici au plafond bi mom. Gis nga ampoule. Ah, ampoule. Oui. Hein? C'est très joli parce que dafa nek couleur bi déjà de faire réchauffer. Réchauffement venu bañ de faire réchauffer. Non mais mënuñu ko bañ parce que élément bi début élément bi tak xam nga couleur bi dafa and ak lima sol. De faire réchauffer. C'est des couleurs chaudes. C'est des couleurs chaudes. Alors, ma question sera plutôt sur l'aspect coussin, Aïcha. Est-ce que c'est imprimé ou c'est cousu, c'est-à-dire modifié en fait? Alors, il y a plusieurs types de coussins. C'est une question très pertinente. Il y a des coussins qui sont imprimés. Dessin imprimé. Il y a des coussins, ce sont des coussins avec pagne tissée qu'on brode à la main. Et pour le moment, il y a un type de coussin là de faire parce que bon, elle est prime tout ce qui est art africain. Absolument. Et bon, sa ligne de vêtements, c'est des masques, etc. Donc, elle prime l'art africain. Le consommer africain, mais la plupart des coussins qu'elle a, par contre, c'est des coussins imprimés parce qu'on sait que Noël, c'est pas notre culture, c'est une culture qui a été importée. Mais bon, voilà. Exactement. Alors, Mohamed,
gis nga décoration bi. Ouais. Super. Est-ce que yow ce style là, tu aimes les couleurs vives, mais en tout cas dans l'espace bi, boutique bi mom, elle est attrayante. Ouais. Vraiment. Elle attire, ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais. À dire vrai, c'est extraordinaire, on félicite hein, la dame parce que le déco c'est super. Mm-hmm. On aime et je crois bien que ni képp ko xamné da ngay jaay ce produit tamit il est très bon nga gëna mëna xol tamit intérieur déco le xol li muy joxé et aussi quand on parle d'attraction lolu la quoi moy nan ngay fexé ba nit ki bu jëndul sax heure bu nek mu bëgg di dugg fofu donc bu yagge dina né légui mënatuma di dugg pour xol rek fuma ñëw di jënd donc du coup lolu waréf la ci kenn ku nek sa décoration nga gën ko liggé sunu bir kër yi sunu bir négi un peu partout je sais pas kan mo def déco bi ci bopam ci boutique am mais ben spécialiste en décoration spécialiste bobu non mom chapeau quoi inchallah alors non, alors, tu sais, comme je t'ai dit, Rogi, nous, voir RTS2, nous sommes FM, des tournées, des Nimaï. Ouais, des Nimaï, comme ça. Et bon, là, il y a le moment comme ça, quoi. Quand je vais quelque part. Aïcha, dis-le, Maraï, il y a le quelque chose. Il y a le boulot, il y a le c'est deux. Ouais, d'accord. Dina y a coussin. Deng. Coussin. Ah, tu penses que j'allais te donner quoi, Abby? Mais, c'est un message, c'est un signal. C'est combien de cousins? Alors, non, parce que quand on a quitté le. Parce qu'on est venu parce qu'il fallait rattraper Bamba, elle nous a remis les cousins. Mousse là, c'est pas des dents. C'est juste la bille. Ok. La thé. La housse. C'est pas. J'ai demandé hier, au fait. Douté. C'est pas thé, c'est coussin. Parce qu'il y a thé. D'oreiller, uh-huh. Et puis il y a coussin, ouais. Décoratif. Okay. Moi-même, je ne savais pas. C'est hier j'ai appris qu'il y a une différence entre thé et coussin. Voilà. C'est là aussi. Il y en a quatre. Quatre. Mm-hmm. C'est bien. Madame Diop, amnati ben. Wow. Rougi, amnati ben. Non, demain, c'est de la ben, yon moudière. Demain, tous les quelques-uns. Aïcha, amnati ben. Man, amnati ben. Mashallah. Yow dal xolal ba ci gëna rafet rek nga jox ma mais bien sûr may sa xarit waaw lool mom amna alors duñu def luddul dem jëli bac bi dal di delu ci wat di la remercier bu baax hein je te remercie aussi c'est un plaisir aussi. Vraiment ouais, de découvrir ma ngi remercier aussi Inès magnifique merci. Exactement mm-hmm. On la remercie au passage li muy défar rafet na boutique gam bi rafet na ku fa dugg mom di nga am envie jënd waaw machallah alors ñu dem jëli bac bi dugg ci univers des jeunes. Journée mondiale du climat ce 8 décembre mo taxit nak réchauffement climatique bi lolou daf ñu yobbu rek ci li nga xamné nik moy préservation de l'environnement ba taxna nak suñu jéttu réew jitu ci ñëpp le 4 décembre bi lañu relancer li nga xamné moy cleaning day ñu dugg ci bu baaxa baax muy wané né rek Sénégal dañ ko wara sétal dans tout le territoire national. Aïcha, tay nak nga dugg ci lancer bobu rek indil ñu ben invité bo xamanteni ni mi ngi ci écologie bu baaxa baax. Waaw Rougi, donc won nga ko mu nek ben initiative bo xamne dañ koy rafetlu déjà parce que da fay nek lo xamne da fay permettre ñu impliquer en tout cas jeunes que ce soit les jeunes de façon générale wala même les élèves ci bir école yi ñu initier len à yenn pratique ci environnement bi donc déjà tamit initier len ci li nga xamne mom moy embellissement du cadre de vie parce que tamit du balayage nettoyage ak ramassage des déchets que c'est mais il faut également embellir en plantant tout à fait, des aménager exactement aménager des reboisés que des ménons donc lolo tax yank wax sank ma invité ki nga xamné moy Mohamed donc Mohamed nek directeur ben organisation bu ñuy wax urgence écologique donc ñom li len taxajok justement c'est ça en gros c'est-à-dire nous embellir sen cadre de vie nous daldi faire en tout cas participer ci li nga xamné mom moy préserver suñu environnement donc Mohamed li ma lay ñëk laaj moy lan moy ses motivations. Je rappelle également que Migi Bayeko Kolda, donc il vient de la région de Kolda. Lan mo nek motivation bi lan mo waral nous mettre en place bobu les organisations. OK. Merci déjà pour l'invitation. Urgence écologique est une structure bo xamné muy jogé ko depuis 2018 lañ ko mettre en place. C'est issu d'une ci ben constat ñun biñuy jang biñ nekké au niveau de Dakar depuis 2015 dañu sétlu ni dañuy dem période décembre day sed novembre décembre janvier muy sed mais dañuy déluat on est à Dakar donc on est au studio on est en train de faire beaucoup de choses mais dañu sétlu météo
bu mars joté avril mai février dañuy gis ni muy grimper tangor bu extraordinaire ngay gis mais ci météo lañ koy gis mais en 2018 man dam ko féké parce que dama nékkone fofu non en période février mars avril mais la canicule elle était extraordinaire là ñu né mais en tant qu'artiste en tant que jeune lan lañ wara mëna def pour que nit ñi ñu comprendre tangor bi ni lan la nous ñi tam ñu nek ci ñu xol outil touti ay info à l'écran, ce sont vos activités oui ça c'est au niveau du lycée Alpha Molo Baldé avec le club écolo biñ fa def donc quand on y était biñu gissé ni changement climatique bi mu ngi impacté biñu gissé ni tangor bi mu ngi jog on s'est rendu compte que ni déforestation bi dafa bok ci liko u andi moy manam kolda bimu taw bimu don am bi amatu ko donc li nga xamné zone humide légui ñu ngi wañéku légui il est temps que kenn ku nek ci ñun mu am li nga xamné lool ngay def moy lan ñu def ben caravane tudé ko P2O2 c'est-à-dire une personne une plante génère de l'oxygène donc lolu moy ñaari pay P2O2 donc bu féké nit ki mu ngi andi oxygène garab mom moy andi taw garab mom moy andi lu béré béré donc il faut que kenn ku nek mu comprendre que ni donc amna li nga xamné warna la non lañ ko commencé avec urgence écologique ñu tuddé ko nonu di def ay campagne de sensibilisation des reboisements ci biir ñett département yi nga xamné ñom ñoo nak ci région Kolda bi li P2O2 bi passé la 3e édition bi depuis 2019 nak ñu 2018 ñu nek ci donc on fait un peu la région Rendini dem nañ ba commencé di génn di dem Sédiou donc di fa def caravane bi lool mo andi urgence écologique à la base ñu nek ci yu bari mais surtout éducation environnementale en milieu scolaire nan lañuy fexé ba jeune yi xalé yi ñom seen bop ñu dem parce que ñun comme d'habitude ñu koy waxé ñun c'est foutu manam tay ji ni da nga gis ko am 30 ans 40 ans da koy laaj est-ce que mus nga samp garab mune la jamais deugla te tay ji ni moy limay dédi wax suñu nekk ci village yi wala ak les jeunes dama len di laaj manen kenn ku nekk ci ñun bu fekkone yalla daf la néwon garab bi nga xamné bi mom nga samp te muy joxe oxygène ci bobu rek nga mëna am oxygène deugla ngoy dundé kon yow est-ce que tay di nga mëna dund dina non non dama mëna dund parce que man awuma ben garab bo xamné mu ngi joxe oxygène donc lolu nonu mo wara tax kenn ku nek mu wara contribuer ci li ñuy nane développement durable ñun lolu ñu comprendre est-ce que ba ngeen ko adoré gis ngeen engagement de la jeunesse est-ce que nit ñi ñew nañu adhérer de leur propre gré wala dañu xaar yeen ngeen dem vers ñom communiquer sensibiliser pour ñu dugg ci li nga xamné ni moy urgence écologique non tout au début comme ni muy démé la un peu partout bo engagé wu ci ben combat il faut que nga prendre les devants nga nek ci kanam donc ñun on est allé vers les populations les jeunes donc je vous rappelle que man je suis artiste rappeur je fais du hip hop donc ma nek son ben groupe avec des gens donc ñun on est avec la jeunesse quoi donc ci sunu concert yi ci sunu lu beure beure donc sur les réseaux sociaux ouais on est en communion toujours quand tu les appelles ci concert yi len nan est-ce que mos nga def li est-ce que xam nga danger au plastique est-ce que xam nga lu réchauffement climatique est-ce que xam nga lutax sedday bi legui mu wagneeku li tax mu tang legui nit ñi dañuy gis benen aspect wu rappeur bi nga xamne bi du d'habitude ay clash rek entre guillemets ou bien ay hein mais là da ngay boy wax ak nit ki quand message bi day gëna jall petit à petit ils sont venus donc ki nga xamné ki da fay am problème bu ma lañ joxé exemple ben initiative bu melni gentle arrosage le gentle arrosage c'est un concept bo xamné dañu gis ni les compétences l'environnement c'est une compétence transférée bo xamné collectivité territoriale ñoko gérer donc amna ñu ay mairie yo xamné dañu am problème moins amna ño xamné dañu am mais amuñu projet politique bi nga xamné bi ci environnement la donc ñun en tant que jeunes yo xamné petit à petit on est des militants de l'environnement ñu dem wolen pour peut-être sunu espace vert yi peut-être à Kolda war na dundu parce que nit ku nekk bo after work bi muy wax bi ni amna fu wara mëna dem amna kenn ku nekk war nga dem su ben after work bo xamné ci cadre bu vivable la quoi c'est ce que l'on dit mais on en manque donc nous on s'est dit que d'ici 10 ans ñun ñoy nek les maires d'ici 10 ans ñun ñoy nek président conseil départemental ñun la légui ñun on va pas attendre à ce que mairie def wala ñun nañu samp garab ñu fexé garab yi dund d'accord alors Aïcha oui Mohamed dégna sa défense pour la lutte contre la déforestation etc est-ce que pour le moment c'est une initiative ti région yoyu rek lay nek
Ou bien, vous savez qu'à Dakar, nous n'avons qu'un seul poumon vert, c'est-à-dire c'est la forêt classique de Mao. Mmh. Est-ce que vous avez des initiatives pour Dakar? Wow. Déjà, nous, on travaille avec des organisations. Nous avons l'exemple JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. On travaille beaucoup. Déjà, nous avons fait au niveau de Kolda. Nous avons une structure qui est là. Nous avons ligué à l'environnement. Donc, dans mon Japonais, quand nous connaissons, amna le problème spécifique bi nga xamné moy sa zone tay ji ni bo mo joxé exemple Mbaw mom moy poumon vert bi fi nek bi ni mais benen problème mo ngi fi moy érosion côtière bi tay ji nit à Dakar xex bi bu gëna mag bi fi lool avancé de la mer li mu nek di jël on a vu à Bargny bi ñu nekké ci contre cop bi absolument ce que c'est en train de faire donc on n'est pas trop dans la désertification finie parce que nous koy mais bon ñu ngi déclassifier yanni bande de filao bi lo xamné ñun on n'est pas d'accord avec tout ça fait. Donc les zones humides yi nga xamné tay ji ni ah bon politique la dañuy yenn say ñu am yenn ñu génné mais soxla nañu ñu gën ko revitaliser bo jëlé tay grand théâtre fi mu nek donc lolu nono mu ngi am ay conséquences amna ay kër mais on peut planter des arbres là-bas. Ouais, bien sûr, ils le font parce qu'il y a des gens qui sont inondés. Pour l'homme, parce que conséquence, nous avons fait des choses, donc nous avons fait des choses contournées. Donc les enjeux écologiques, il faut que nous nous liguions avec l'État. Exactement. D'où à chaque fois, la relance de ces activités-là avec le ministre en charge du logement, de l'urbanisme et de l'hygiène publique. Nous avons fait des aménagements, réaménagements, libérer les zones. Les zones urbaines pour que nous puissions avoir un environnement sain. Alors, Abdourahman, oui, c'est une cause bien noble. Oui, c'est une cause bien noble. Mais je vais lire un rapport en Afrique, c'est valable pour le Sénégal. Si j'ai les 5 personnes, durant une minute, qui ne mange pas à sa faim, c'est-à-dire que. Dépenses quotidiennes, etc. Donc, c'est un environnement. C'est-à-dire que nous devons calculer les conséquences qui ont. De toute façon, les conséquences qui ont peut-être moins fait en 2050, en 2000, etc. Donc, dans la lutte pour l'école, pour la reforestation, voilà, approche, nous devons dire l'approche économique, il y a solo trop. Nous devons dire que parce que nous avons une jeunesse volontaire pour la jeunes volontaires pour l'environnement. Je vais finir. Nous avons dit que nous avons des problèmes qui sont là. Nous avons des problèmes à travers la forestation. Retour vers l'agriculture. Retour, ça peut être retour vers l'agriculture également. Maintenant, moi, j'ai cette image. Je vois que nous avons aussi des cocotiers. Ça veut dire que les plantes qui sont en train de se faire des revenus. Est-ce que ce sont des plantes à garab? Vous avez des plantes à garab, des plantes à cocotier, à manguier. Parce que coco, ben 1000 francs. Ouais, voilà, coco, ben 1000 francs. Ouais. Donc voilà. Par rapport à ce que vous avez dit, déjà, il y a un petit peu de choses. Moi, je suis agroécologie. Tout à fait. Agriculture en milieu urbain. Tout à fait. Vous avez vu que vous avez kenn ku nek ci ñun daf warna la moy en milieu urbain bo fa nekké nit en principe warul jënd kanje nit en principe warul jënd bisab nit amul warul jënd yenn yoyu ñu xamana la moy ay table la yo xamné da ngay def sa yaxalu la dara ben time lu suba tel bi nga xamné bi def nga sa jour dañ ci rendre hommage sax quelqu'un qui est avec nous Albert Mendy tonton Albert qui le fait tol si keur keur gi lay dem installer la ko ci sa terrasse sur un pan de mur. Ça ne te prend pas de l'espace et tu manges bio. C'est ça. Donc, si on regarde comme une salade, donc si on regarde ce qu'on a fait, c'est des choses qu'on sait. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Pour qu'on ait un travail qui est amati. Mais toujours, est-il que fi nga nek di wax moy rapport au GIEC bi dafa woné ni en 2050, 23% ñi nga xamné c'est des richards aujourd'hui en 2021 ay pauvres lañuy doon. Tayi ni bo démé ci rapport au GIEC bi lim lay won moy Tambacounda bi nga gis bi ni Sénégal oriental bi en 2035 est-ce que dina amati pour l'an parce que dina bari ay réfugiés yo xamné climatique lay doon. Donc tayi buñ comprendre les enjeux yi kenn ku nek warna nek di samp garabam pour revenir ci li nga nek di wax li moy manam dund lek la lek bay la
bay moy andi lolou kessé la donc nan lañuy fexé ba ñun dans notre caravane Kolda dafa nek zone bo xamné amuñu ñon problème fruit mais tay da ngay dem jënd ji ben mangue 300 francs kilo 1000 francs 1500 francs man damaay dem après c'est écœurant damaay nan mais lu xew mais c'est cher mais c'est là les souvenirs bon nous on demé non c'est là il n'est pas normal que vous demé non parce que il y a des jeunes donc il y a la main d'œuvre mais l'âme modeste de gentan moi madame il faut qu'il y ait des l'engagement d'abord de ces jeunes là qui sont impliqués parce que beurina ño xamné ñu ci agroécologie mais beurina ño xamné ils ont leur projet mais ils ont un problème d'accompagnement petit à petit ça vient yone vers l'agriculture oui des projets de d'agriculture mais nan lañuy faire aussi regarde par rapport à la reforestation biñu nek di wax bi ni ñun ren ji ni dañu fa am luñu def moy manam dañ ne kër gu nek na fexé ne serait-ce que ñaari fruitier mu am sauf que locataire nga wala propriétaire ba xam nga ñun fele côté bobu bari wul c'est très important surtout en zone urbaine c'est pas évident voilà mais côté on a de l'espace dans les maisons yi nga xamné war nañ mëna am ben citronnier am ben manguier mais le problème moy est-ce que lolu Abdourahmane rapidement on revient est-ce que lolu nan nañ ko def parce que man dem na Casamance amna ben hôtel bu mag bu fa nek mëna ma gis nga li lepp luñ fi togg soble etc dañ koy jëlé Dakar ah alors que les terres sont là mais les jeunes ne veulent pas travailler Aïcha Vallée du fleuve les jeunes on te laisse poser des questions waaw mo mu ngi tok rek diñu sétal jëlé alors ça qui yank ci doon wax moy walu aspect engagement implication des jeunes ci activité yone est-ce que déjà ñom ñi ngi dugg en masse parce que man ci lima gis ñu bari amna ñu bari de façon générale surtout les jeunes seni man ko doon wax kéro djibi seni centre d'intérêt du nek en fait environnement donc déjà est-ce que ñom ñi ngi impliqué ou est-ce que ça veut dire le message il est reçu ils l'ont perçu comme niñ ko wara percevoir si c'est pas le cas ndax yeen ngi def ay djégo ngir ñu mëna comprendre en fait ñun parce qu'on est jeune mais en fait on est également la relève de demain donc amna lo xamné ñun buñu ñëkul buñu ci taxawul ci ñun lay dalat en fait d'ici quelques années c'est bon je crois que les perceptions bi mu ngi am à compte-goutte petit à petit parce que moy limu doon wax li moy gis nga bo démé nga bisab da doon fess ci kanje etc ci bol bi mais nga gis ni wañéku na ñaan sama yaay ñane sama yaay yaay boy sama sama dafa tuti de ñaata lay jar rek mu ne la xam nga lu mu jar donc communication bi ci bol bi sax lay commencer absolument ci bol bi yaay gis ni légume yaay wañéku wala légume bi dafa xawa da ngay sadine dafa xawa neex neexul ñu ne la li ni dafa joggé ko feulé depuis 4 jours mu ngi voyager et puis xamu ñoon ni ndekete li da fay joggé ko pour li ni vallée du fleuve lay joggé li fenen la nek di joggé ko légui là les gens sont en train de comprendre ça ah wori gi xam nga waaw ñu ngi déllu ñu ngi déllu wat petit à petit ci lool ri de la vallée manga walu fofu lañ koy baye indi ko fi ñu lek ko ba mu neex waye nak il faut aussi parler de la gestion des déchets parce que ça implique quand même de l'emploi pour 12 000 jeunes environ té lool yépp c'est la création d'emploi parce que xam nga rek lool day bok ci li nga xamné moy revalorisation des déchets té c'est très important lool yépp dafa nek ci politique chef de l'état Macky Sall pour que génie non seulement ñu mëna am liguey mais en même temps on contribue à évacuer les déchets qui envahissent parfois nos villes hein. Waaw, c'est important Rogui. Donc moi li mo don wax sank walu désencombrement déchets xamna mom duma baye ma c'est-à-dire mais djoum bari na façon il y a des déchets plastiques tout xamna ni il y a les recyclages pour ça amna également on voit déjà les images à l'écran avec le lancement de la cérémonie du cleaning day waaw donc ni ñu ko amalon ci ben lycée au parcelle Zasseni di def li nga xamna ni mom moy de belles images hein. Ouais, de on belles images le président qui est à l'œuvre. Parce qu'on a besoin d'exemple en fait. Exactement. Et parce que l'exemple, il faut que commencer par y avoir pour montrer l'exemple. Donc déjà, une belle initiative, parce que là, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans une école, donc ça permet
déjà aux collégiens, aux lycéens de, de s'impliquer davantage. Nous sommes mis des mecs parce que bon, l'éducation, c'est à la maison. Mais c'était ça. On prenait ça des journées. Exactement. Même si vous voyez, journée de FENA pour l'eau, c'est-à-dire le ramassage des déchets. Il y a des amal aussi pour les mener. Ok. Éducation environnementale en milieu scolaire. Comment nous faisons pour l'école primaire, la base? Surtout. Comment nous faisons pour le collège? C'est là qu'il faut appuyer. Parce que moi, j'ai appris une bagarre. L'éducation. Dans mes galères, même quoi. Quand j'ai commencé à l'Issampe Garab, il donc j'ai combien d'années? Donc Yagis, c'est un peu ça. Donc n'importe qui on met les mantelles. Absolument. Am 30 ans, tu musses une Issampe Garab. Musses une arrosée bien Garab. Donc c'est Donc, en ordure. Donc lolu dafa nek ben concept bo xamné mu ngi commencer du universel. Tout à fait. Moy nan lañu fexé jëlé ko ci lu tilimal mais mu nek lu rafetal. On a fait des di joxé comme. Donc emploi vert ci lolu nonu nga done rebondir avec le ministre de l'urbanisme. Ñun on a fait des recyclages de déchets plastiques au niveau de Kolda ci buntu gouvernance bi en faisant des bancs écologiques yo xamna ay pneus yu nekkon ci sunu berge du fleuve bi le nek on va peut-être en parler ci kanam donc nous dajale lepp lo xamne plastique la waxtan ak nit ñi que ni c'est très dangereux déjà roussitu mbalitu pétrole la deug la 400 ans lay def voir 500 ans arrêter d'importer le plastique alors Aïcha pour terminer donc xamnaane mom si voilà donc pardon hein une minute là comme initiative ñuy def avec les gentle arrosage dajalé le préfet et le gouverneur ñu ci sunu espace yu nonu on arrose pour garab yi dundu xalum kenn mais là le 19 bi di ñow ni dafa am ben activité bi ñuy def bu tuddu eco jogging bi lan la d'accord eco jogging waaw c'est un peu ça moy manam dañuy joggé ko ci ben espace vert ñu dox ci ville Kolda bi avec les autorités le préfet le gouverneur tous les ASC les élèves tout le monde est impliqué ñu dox mais bu ñuy dox kenn ku nek da ngay foraler lepp lo xamné balitu plastique la dikoy yobale donc on va poser cela une fois ci berge fleuve bi moy belle initiative ma baye la nga tagato pour xam li douf ci nak bi yeb xajul ci ci donc merci déjà ti invitation bi et aussi on va appeler la jeunesse à être plus dans l'action citoyenne et aussi on appelle tout le monde à ce que nous rejoindre Eco Jogging bi le 19 inchallah à Kolda. Alors merci dañ lay remercier bu baakha bax di rappeler rek que ni Mohamadou Soumbounou lañ fi dalalon tay c'était un plaisir vraiment mu nek urgence écologique directeur bi alors duñu def loolu dem jeli bac bi dugg ci littérature légui alors, Michel Mendy, l'année dalal légui ci littérature, il est écrivain, il est représentant de scène littéraire au Sénégal. Abdourahman, tay ñu fassiyene waxtane nak yu am solo salon du livre qui s'est tenu du 2 au 5 décembre. Waye scène aussi littéraire bi nga xamantene ni mom il est le représentant au Sénégal. Dañ waxtane tamit li nga xamné rek moy recueil de nouvelles bi nga xamné moy dilemme fatal. Oui, merci beaucoup Rougui, comme nous l'avons dit. Donc, salon du livre à mon avis, du 2 au 5 décembre. Alors, je vais vous dire, il y a un élément qui est très important, qui est très important, qui est très important, qui est écrivain, éditeur, ou un simple visiteur. Tout à fait. Alors, nous devons nous permettre de nous poser des questions, parce que le salon du livre, pour dire,
nit ñi gëna jégué surtout livre yek lecture dañu gëna découvrir lecture surtout xalé yi hein surtout wa mais malheureusement gis nañ né bi passé affluence bi taxuko démé nonu bon amona ay ki parce que délen communication wa voilà peut-être communication dessna peut-être lié bi dessna peut-être parce que Sénégal quand même bo fi organiser dara da ngay organiser dang koy organiser ci endroit bo xamné ku jël carapit mëna fa dem wala mu jël ndaga ndjay wala mu jël tata c'est important bu féké nang wo jël taxi pour dem fa c'est compliqué donc peut-être yoy ay facteur la mais dañ ci gëna waxtaan ak suñu ki peut-être que légui aussi amna ay yenen xaarama dalal ko sax ñu daldi am mbékk Michel c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Tam Tam ñu yakarne rek liñu fi waxtané dina doon lu am solo lo xamné ñëpp dinañ ci gëna bayyi xel parce que la lecture quand même dañ ko wara gëna inculquer suñu xalé yi bien sûr merci beaucoup li ma ngi leen di nuyu yeen ñëpp nuyu wa plateau bi di leen remercier ci invitation c'est vrai que lecture comme ñëpp niñ ko sétlo ñu bari Sénégal dafa nek activité bo xamné dafa nek en net recul et que ñëpp wara gorgolu ba mu gëna delsu wat au centre des apprentissages surtout au cœur du métier de l'enseignement mais aussi de l'éducation parce que tay xalé yi li retuñu ci ces ay téléphone lañ nek ci ay écran alors que livre pour man japp na dara mënu ko remplacer donc il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté là Exactement. Abdourahmane. Oui, donc, gis nañ né bon, comme nous l'avons dit, le salon du livre, bon, voilà, peut-être que l'affluence qu'on attend, après Covid, les acteurs qu'on attend, surtout, on a une rencontre littéraire pour Mac, etc. Bon, Kangam Yubari n'est qu'on a fait. D'accord. Alors, le Melni, Boubacar Boris Diop, le Melni, Mamadou Samba, le Melni, etc. Écrivain Yubari, il faut. Mais le public, il faut. Je ne sais pas si l'élément est disponible ou pas. Sinon, ouais, après, on est disponible. On pourrait le voir. Dany Dem Setanko. Ah, voilà. Légui, nous avons fait un écran avec plaisir. Nak, parce que, voilà, nous avons fait un écran. Ah, voilà. Après, nous avons fait un écran. Voilà. Nga xam yow mi faté won di nga ñu ci wax dara alors ñu dem sétane ko organisé par le ministère de la culture le site a été bien choisi l'endroit est accueillant bien qu'il y a quelques problèmes qui sont liés à l'organisation, qui sont liés aussi au public, parce que ça a coïncidé avec la grève des transporteurs. Pour l'organisation, je pense qu'on devait faire plus de publicité. Voilà. Puis, lycée Amana, mon salon, l'égi, l'inquiète de Founé, si de qui n'est que si Sénégal, à mon avis, déjà Ndar, Rémi de Co, Dakar. Li ci am mana mom moy ñu xamne rek yefu téré la li ngi koy teunké mom moy téré dafa am mana ci réew ndax dafa am mana ci jangalé mais am mana aussi ci sa xol bu sédd rek pour nga yow jël téré diko lire mom la tuddé mom la notion du plaisir am mbété ci da ngay lire dafa am mana wané salon bu mom bi ci nek rek mom moy tiat li mom moy nit ñi bari wuñu lu tax bari wuñu Est-ce que grève bi am le transport bu mam la Est-ce que ni ko non waxe mo egul communication mo egul vulgarisation mo egul xawma mais ni jité mbir bi wolou na len ndax Ibrahima lolo mo nek DLL du livre et de la lecture ak équipe am c'est des travailleurs waye nak xel matul lecture livre connaissance Cheikhanta Diop Je suis disciple du professeur Cheikhanta Diop et à chaque fois, ce que j'ai dit, c'est la connaissance en tant que telle. Donc quand il y a un salon du livre, on ne peut pas s'empêcher de venir, de rencontrer les écrivains, Jiméli Boubacar Boris Diop et Nyenenni, de voir un peu ce que les maisons d'édition font en termes de production surtout, parce que quand on parle d'éducation, c'est cela, c'est la réflexion et la production. La réflexion, il faut penser, il faut écrire. Mais la production aussi, il faut publier, mais aussi il faut se faire publier. Et c'est les maisons d'édition qui font ça. Donc nous aussi, en tant que lecteurs, en tant que passionnés, la littérature, la lecture tout court, nous avons un peu, voilà, c'est une sorte de, j'ai envie de dire, c'est un pèlerinage.
Alors, Abdourahmane. Alors, wax du livre bu amé nak ñepp ko wara yek nit ñi participer nit ñi dem comme dañuy bëgg sensibiliser tout le monde au retour à la lecture quand même nako ñepp yek effectivement et lecture dafa am solo je pense que professeur Ndongo Mbaye wax nako ci élément bi lecture manam moy buntu xam xam surtout te dëkk bu amul xam xam mais du avancer dëgg la li Nelson Mandela dañ wax naan a reading nation is a leading nation manam dekk bo xam nit ñi dañuy lire moy dekk bo xam tane day nekk ci kanam parce que xam xam moy développer dekk alors te livre te xam xam ñu ngi beaucoup de découvertes voilà ñu ngi ñu ngi joxé ci livre ci livre lañ koy transmettre alors Michel Mendy moi suñu invité mom demone na salon du livre comme écrivain ou comme participant ou comme acteur de la vie littéraire dama koy baye mu wax ñu impression am sur le ce deuxième salon du livre bi nga xamantene mo amone Dakar lan nga ko gissé et puis pour yow lan mo manqué qu'est-ce qui a manqué pour que salon bi am ben succès bi mo ronne am peut-être oui merci Abdourahmane d'emblée dire que damay wax en tant qu'exposant pas en tant qu'organisateur parce que bokk mon ci comité scientifique bi ni ci comité d'organisation quand il s'agira de faire le bilan de cette activité là ñom defena dina jël sen responsabilité def ko mais comme dañu ñëwone yor stand exposé participer en tant qu'exposant am nañ ci gis donc comme remarque générale bi ñi def moy que le salon n'était pas fréquenté par le public et que comme impression yi ñu am retour yi ñu am ci plateau bi ni la plupart des sénégalais yéguñu ko ça c'est un fait ken mënu ko natable quoi c'est un fait la plupart des sénégalais yéguñu ko buñ waxé ni yéguñu ko aussi tamit dañ nan c'est un défaut de communication est-ce que le plan de communication bien ficelé très agressif dans le sens où voilà ça on est sur le terrain quoi constamment est-ce que ce plan là avait existé pendant la phase avant parce que c'est ça qui est important avant salon bi qu'est-ce qu'on fait pour que ñi ñu bëgg ñu ñëw ci salon bi ñu yegg ni salon amna tel jour tel lieu de tel jour à tel jour etc ni lay dem lolu la plupart des remarques moy plan de communication bi dessna amna communication mais dessna lu bari donté amna ben contexte bu particulier bo xamantene dafa tombé ci deux jours grève transport teuri mais pour man ça c'est pas suffisant comme excuse parce que mais un deuxième jour yo xamné c'était un samedi un dimanche c'est le week-end ñi ligéw ñu té gis nañ ni le dimanche même il y avait pas une affluence on s'attendait à avoir mais plus de personnes amna lo xamantene bo amna kuma ko wax dal dina ma bon mais un salon du livre bo xamantene ñu koy tenu juste après le prix de Mbogarsar bon xamna lool tu n'es pas nek lu ya ci wara mën top pour que buñ ko invité won nga xamantene il fait le buzz peut-être que nañu dañ ñew wala ben jaaré so mais peut-être que bon xamna né non c'est important ligue c'est important c'est l'un des aspects qui fait que le salon il doit être attractif en fait absolument il doit être attractif qu'est-ce qui fait que le salon est attractif c'est les grands noms de la plume qui sont là d'autant plus qu'ils sont des sénégalais Khalis au Sénégal lañu organiser salon vie donc ñoñu ay doomu Sénégal qu'ils vivent en France qu'ils vivent aux États-Unis ou bien qu'ils soient au Sénégal on doit pouvoir aller les chercher si leur agenda le permet. C'est tout à fait normal. Nous, on a fait venir Boris Diop. On a eu la chance au niveau de notre stand, le stand de Flore Zoha édition, d'avoir Boris avec nous qui était là Boris pendant les 4 jours. Mais ça a fait affluence. Ouais. C'était l'attraction du salon, quoi, et en fait. Puis, j'ai dit au Don et Boris, mais vous avez quasiment sauvé le salon, quoi. Et si nous avons tout effort, nous am la yow côté bi il y a un autre qui est de l'autre côté un autre qui est de l'autre côté beaucoup me citer et tout mais tu vois que les gens vont venir parce que ñi ñi bëgn nañ livre bëgn nañ aussi rencontrer les auteurs qui lisent de voilà face à face am ak ñom contact waxtan ak ñom c'est ce qui s'est passé avec Boris c'est important Mbougar il est trop sollicité actuellement mais je pense que événement littéraire bu tolni et salon du livre ou bien la Fildac le Sénégal doit faire l'effort d'aller chercher ses fils qui sont dans ce secteur là et de les présenter aux Sénégalais qui les lisent et qui les admirent. Alors il y a pas le Boubacar Boris Diop moy don écrivain yi nga xamné sang ñu gëna xarañ ci génération Sénégal son livre la Mourambi le livre des ossements nga xamantene Amar ne prix ñu tann ko ci parmi les 30 meilleurs livres africains. Et voilà, c'est un excellent livre sur le génocide rwandais. Donc, édité et puis vraiment. Mais je suis venu, vraiment encore. Et il y a des gens,
beugnañ lire. Absolument. Mais aussi, est-ce que oublié wuñu, est-ce que faté wuñu y a des mouvements yi wala surtout les réseaux sociaux nga xamantene parce que bo duggé ci réseaux sociaux maintenant da nga gis ay blog, ay groupe, ay page Facebook dédié à la lecture. Voilà, parce que moi je fais partie d'un groupe Féru de livres. Et Féru de livres, c'est un groupe bo xamné dañuy échanger déjà. Tout à fait, ils proposent Des livres et c'est important que genre une manifestation yi dugg signoñu ben de deux que moi la question que je vais poser rapidement, je sais que nous sommes dans le temps. Pourquoi un pays comme le Sénégal n'a que deux éditions de ce genre? Alors, le Salon du Livre, deuxième édition, nous avons Saint-Louis organisé. Mais en réalité, ce qu'on va faire organiser, c'est FILDAC. Oui, je sais, mais c'est-à-dire, le Salon du Livre, dans un pays francophone, avec des élites de lecture, d'écrivains, comme tous les noms que vous avez cités, pourquoi ces deux éditions, en fait, littéraire. Non, rencontre littéraire, Barinafi, en réalité. Okay. Parce que n'oublie pas que Biennale des Arts et des Lettres, je suis d'accord. Au départ, à mon nom, après maintenant, le FILDAC, mais les gens, gars, ils nous rendent compte que le FILDAC aussi, c'est trop scolaire, pratiquement, etc. Salon du Livre, c'était l'occasion. Voilà, c'est ça. Alors, la scène littéraire, on avance? Oui, le dernier point sur le salon, c'était peut-être de diversifier le public, l'offre. C'est pas parce qu'on parle de livres que forcément c'est des gens qui tournent autour du livre qu'il faut aller chercher et mettre un concert pour attirer plus de public. Rendre la chose populaire, c'est faut que je les sorte et nouveaux lecteurs. Ils vont venir pour le concert, mais ils vont acheter ou bien emprunter un livre. Et ça va faire des clics. Quoi. Exactement. Alors, celle littéraire, voilà, aussi, parce que littéraire. Question promotion du livre, là. Alors, moi, je représente, Aïcha, tu vas venir, hein. Moi, je représente celle littéraire. Je donne un mouvement, je vais faire une association, je vais contribuer à la promotion littérature. Tout à fait. Alors, nous avons fait deux prix, je vais faire une scène littéraire, je vais décerner, c'est ça. Alors, voyons un peu, c'est littéraire d'abord, c'est quoi, Michel? Et puis, voilà, les livres qui ont été primés. Oui, scène littéraire, c'est Cercle des Amis des Écrivains Noirs Engagés. Une association, là, qui est fondée depuis il y a de cela 7 ans par une dame qui s'appelle Agnès Florzo Andazoa, qui est suisse, mais c'est une Camerounaise, quoi, suisse, les Dundulegi. L'étape de fondée association, c'est pour promouvoir la littérature africaine, mais afro-descendante, quoi, aussi, parce que africains sont de l'Afrique, ils sont des victimes. Objectif ou promotion ou littérature, parce que dañu sétlu ni amna ay prix fi nek yu bari et boy xol prix fi nek yu bari ñi décerne ay auteurs africains yu ci bari, c'est pas créé par des africains quoi. Motax ñu xalaat ni ñun en Afrique on doit pouvoir penser notre prix, le réaliser et l'attribuer nous-mêmes et faire sa promotion par notre propre moyen. Donc lool moy objectif ou scène littéraire. On a ici né un mardi de Elnathan John qui est le prix 2019. On a reste avec moi Ayobami Adebayo qui est le prix 2020, mais amna yenen prix, amna yenen trois prix yo xamné yoruñu livre fi yi moy les deux derniers prix. Le prochain prix sera attribué normalement dans la première quinzaine du mois de décembre, sinon juste après. Donc voilà. Les Sénégalais du concours, parce que j'ai vu qu'il y a un Nigérien. Les deux derniers prix ont été remportés par des Nigériens. Mais parmi les lauréats, il y a un Jamaïcain, il y a une Camerounaise. Voilà. C'est. L'Inimounor, moi, dans le jury, il y a Sadakan qui est présent là-bas, il y a aussi Boubacar Bourdi Diop dont on parlait tout à l'heure qui sont présents là-bas, qui sont des Sénégalais quoi. Alors, mais Michel, parmi les livres choisis cette année, il y avait C.J. de Dieu de Fali, mais malheureusement pour elle, pour moi, Moudjoul Dama final. Très bien. Quoi. Alors, reste avec moi. Lan lañ reste avec moi, livre le bon. Bon, on est des vie entre deux jeunes gens qui se sont connus dans une université. Nous mariés, mais bien de fait 4 ans de mariage, nous avons un dom. Après, il y a toute cette pression sociale là sur la femme pour nous un dom, pour nous qui viennent nous n'est, etc. Bon, nous dit voilà des dames de guise et marabout. Nous n'est mon cas pour un dom. Bon, nous dit puisque c'est une grossesse nerveuse. Il y a quand même des fois qui elle fait un déni de grossesse. Voilà. Exactement. Mais finalement, elle va tomber enceinte. Maintenant, lolo. Okay. Techniquement, je ne peux pas dire, mais je vais lire le livre pour que je puisse découvrir. Alors, rapidement, Aïcha Sarr. Ouais, donc, comme temps avec qui nous sommes, je suis juste pour l'aide, est-ce qu'il y a quand vous l'avez, par exemple,
initiative humaine, organisation Salon du Livre, bon tu m'en donnes impliquer les enfants, c'est-à-dire en faisant des concours, parce que bon, comme il y a une promotion de la lecture, il faudrait que par exemple une idée quoi, bon ramener dans mon coin warni, vous faites que mon enfant aille chaler. Tu as école, nuit sur place, tu as un concours de lecture, ou de dictée, je ne sais pas, des choses comme ça. Après, tu as un peut-être, tu as un peu tout temps qui est là, tu as lire, quoi, en fait. Bien sûr, c'est une chose très importante parce que Bouignoir Salon, c'est aller chercher le public. Et le public, il est divers et varié. Et le premier public pour la lecture, c'est le public scolaire. Étudiante, hein. Le salon il est à quelques enclaves de l'université. Ils sont plus voilà, à il y a des étudiants qui ont amené l'université hier que nous sommes dans le salon. Donc exactement. Il faut falloir que c'est le deuxième, c'est la deuxième édition. Nous avons organisé, mais tout continuer de l'aide de confiance. Mais il y a une évaluation pour que la prochaine fois qu'il essaie de diversifier, d'être plus agressif pour aller chercher les cibles et varier. C'est pas parce qu'on parle de livres qu'il faut tout le temps être dans l'entre-soi quoi. Tout à fait. Nous mairie déjà jeune mère ni environnement am na sen place qui salon du livre voilà tout voilà. Li nga wax c'est très important xalé pour nga indi len fo nga jox len dara fo nga indi fo ben artiste buñu bëgg wala nga indi fo jeu yuñu bëgg wala nga des choses attractives yo xamné dina mëna capter sen attention. C'est des trucs à prendre en compte. Alors on a terminé. Alors j'ai rappelé aussi que Michel Mendy suñu invité tay momo bind livre bi qui s'appelle Dilemme Fatal. Dilemme fatal. Est-ce que tu ne vas pas revenir avec Dilemme fatal? Je vais revenir. C'est un recueil de nouvelles. Très bien écrit. L'histoire est crédible. Les personnages aussi, c'est les gens de tous les jours. C'est voisin, etc. Ensuite, c'est facile à lire. C'est déjà. Très bien. Mashallah. Alors, Dilemme fatal. J'espère que pour son deuxième ouvrage, parce que le livre est depuis 2018. Voilà. D'accord, on va bosser et on va peut-être parler de l'autre ouvrage. Mais comme Dilemme fatal, mon fils n'est que taï, dinan ci waxat benen yon. Alors, Aïcha, ma baye la nga tagato, di la jox dajé benen plateau. Alors, Rogi, ma ngi lay remercier, di remercier Abdourahmane, di remercier sama tourno Aïcha ak suñu invité, di remercier beaucoup de téléspectateurs qui donnent cet indi, remercier également qui nga xamné ni mom solal. Donc di Rio Shop, donc ku ko beug contacter donc koy dal di wo au 77 742 08 83. Diko remercier bu baax. Merci beaucoup Abdourahmane. Oui, merci beaucoup Rugi di remercier wat Michel Mendy. Alors di rappeler wat livre yi nga xamantene mom la fi andi. Alors buma ken ñaan livre sur le plateau li roguma ko nak hein. Dilemme fatal bob la ñaari dama ko rugi né un mardi ak reste avec moi. Je sais que Peter va te tenter. Reste avec moi pour Aïcha. Merci Abdourahmane. Merci. Alors c'est intéressant, hein. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Mangledi Dior Dik Dajé vendredi pour Affairage et d'y remercier Wale Nimo Bokolon un reportage de Inès. C'est très gentil. Mais Arlequin, mais man, d'abord sur l'autre. Arlequin. Michel, merci beaucoup. Michel, c'était un plaisir vraiment de partager le plateau avec toi. Merci. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi de partager cette émission avec vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que je me fais recevoir Mohamed Soumbounou sur le premier plateau avec l'Univers des Jeunes. Nous profiterons comme urgence écologique de remercier Bouba, UCG, Alors, je remercie aussi Michel, un écrivain. Alors, je remercie Madame Faye Ndaye Binta, Madame Diagne Mam Diara, Poste Tiaroy, Madame Mar Yassine à Tiaroy Azur, Madame Top Aïssatou Top. À Dara Tchoub. Nous allons suivre ça. Nous allons faire une émission. Alors, nous allons dire que nous allons dire que nous allons dire que nous allons faire une émission. Nous allons faire ça. Alors, joyeuse fête à l'Immaculée Conception de Dakar. Vous savez, le 8 décembre, c'est la fête. Nous allons souhaiter à toutes les sœurs, à tous les pères. Vous savez, nous allons Sénégal, la communauté catholique, une joyeuse fête de l'Immaculée Conception. Bonsoir à tout le monde. À demain.